Five Nights at Freddy's! Into the Pit est un jeu intéressant, intriguant, mystérieux et qui possède également 5 voire 6 fins différentes. On est sorti en fait du restaurant sans son papa, ce qui a provoqué la fin secrète numéro 1. Nous avons aussi terminé le jeu avec la bad ending. Pour avoir la good ending, il nous faut pour cela récupérer tous les objets du papa dans le restaurant. Pour l'autre fin, il faut aussi réparer toutes les machines d'arcade. Nous avons réparé genre 3 ou 4. Il manque aussi pas mal de pièces, mais pour cela, il va falloir aussi bien chercher. On verra bien si le jeu va nous obliger à recommencer tout depuis le début, ou carrément si on peut tout le faire dans le dernier jour, tout simplement. Alors, du coup, là, je suis au jour 5, et je suis juste au moment où on doit chercher le papa. Et là, le papa, il est dans la salle des boules. Si on regarde dans mon sac... Alors, j'ai quoi? J'ai le portefeuille, ça fait 1. J'ai la photo, ça fait 2. J'ai la bague, ça fait 3. Il me manque le badge de papa. Et il me manque une autre photo. Une photo où il y a juste Oswald dessus. Ah, c'est là. J'arrive pas à le prendre. La photo est là, mais j'arrive pas à le prendre. Damn! Donc, là, si je regarde, il est regardé en sécurité. Donc, du coup, je crois que j'ai trouvé la photo, mais je pouvais pas la récupérer, donc on va attendre. C'est la photo de classe, l'année dernière, papa garde ça sur lui. Voilà, donc du coup, nous avons une photo. La photo d'Oswald. Papa prend toujours une photo de moi lors du premier jour d'école. C'est assez gênant, mais je crois que ça lui fait plaisir. Il n'a pas pu prendre une photo de mon premier jour cette année. Bah non. Comment je fais pour choisir? Non. Non. Ah, liste de contact. Je peux appeler maman? On va appeler maman. Accorde-lui un vœu. Ok. Je m'attendais pas à ça. C'est Ballerina, c'est ça? Je sais quoi, j'ai créé un petit garçon? Bon travail! Je lui donne des chaussures roses cette fois-ci? C'est quoi ce jeu? Wow, c'est creepy! Bah, c'est des rêves par rapport au livre, forcément. Il y a beaucoup de choses, comme d'habitude, dans tous les FNAF. C'est pour ceux qui connaissent pas. FNAF, en fait, il y a énormément de secrets. Bon travail. Alors, normalement, si je m'abuse, j'en avais un dans stockage. Il y en a un, il y avait la bague dans security. Donc, j'ai récupéré la bague déjà, normalement. Pour aller dans les coulisses, faudrait que je descende et que j'aille à gauche. Il m'a vu là. Il pourrait juste ouvrir la porte hein, au lieu de regarder comme ça à chaque fois. Il pourrait juste ouvrir la porte hein. Le mec, il arrive et il met juste son œil à chaque fois, tu sais, en mode... Ah, est-ce qu'il est là? Il est pas là. Est-ce qu'il est là? Il est pas là. Est-ce qu'il est là? Oh, il est pas là. Je peux pas ouvrir la porte. Ok. J'appuie sur... Ah, ça marche pas. Ouah, GG, le badge du papa. En fait, dedans, il disait les coulisses. On n'est pas dans les coulisses ici. On est dans le stockage. Dans le truc, il disait dans les coulisses.
Abusé, quoi. Tapement 5. Alors, ça, c'est cool. Ouf, bon, on a trouvé. Heureusement qu'on se fie pas trop au truc, quoi. Papa avait l'air si triste quand il m'a dit qu'il avait perdu son travail au moulin. Je n'ai pas compris pourquoi il répétait. Je suis désolé. J'ai jamais pensé que c'était sa faute. Papa a toujours travaillé si dur. Je suis si heureux qu'il soit mon papa. Oh, il est mignon. Bon. Maintenant, on va essayer de ne pas mourir. J'ai récupéré tous les objets. Donc, j'ai tous les objets, normalement. J'ai tous les objets. Donc là, je vais... pouvoir ouvrir cette porte. Qu'est-ce que c'est? Une photo? Ça, c'est nouveau. On dirait qu'elle est toute rayée. Alors, j'ai eu... Qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est? On peut aller voir la photo. Photo étrange. Une drôle de photo de deux hommes à l'intérieur d'un étrange bureau. Est-ce quelque part à Freddy's? Mais là, en fait, les gars, on a récupéré toutes les photos, tous les objets de papa, et on a récupéré donc cette photo en plus. Donc techniquement, si tout va bien, on pourrait avoir la bonne fin. Donc c'est parti. Papa! Papa, tu es vivant! Regardez, il regarde ici. Oh, super lourd, c'est là-dedans. On le voit à travers le truc. Alors là, la blague, c'est que je vais essayer d'avoir la fin secrète. Quelque chose essaie de rentrer, je ferais mieux de me cacher. Donc là, on se cache. Du coup, là, il a pris son papa et il part avec. Tu ne l'emporteras pas cette fois! Et on peut pas, il dit l'ours est là-dedans, donc on retourne en arrière. Donc. Maintenant, je vais aller sauver papa. Oh putain! Violent ça! C'est une cinématique ici, on peut pas jouer là. Donc là, il balance le papa. Là, j'ai résisté. Il a laissé tomber la photo. Wow! Oh yes! Damn! Papa, papa! Non, pas mort, s'il te plaît, ne meurs pas! Qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé, Oswald? Alors, je me suis caché dans la piscine à balles pour te faire une farce, et c'est ce que j'aurais pas dû faire. Tu es venu me chercher, t'as glissé sur un ballon et t'as ticonné la tête assez fort quand tu es tombé. Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas que des choses deviennent si incontrôlables. J'accepte tes excuses, Oz, mais tu as raison. Je n'aurais pas dû le faire. Tu n'aurais pas dû le faire. Sortons d'ici. Nous sommes salement amochés tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens de rien? Eh bien, vu l'énorme boss que j'ai sur la caboche... Non. Oh, ça fait 5 jours qu'il est là-dedans. J'étais en colère parce que tu étais en retard pour me chercher encore. Alors j'ai décidé de me cacher pour t'énerver comme j'étais énervé. Tu as glissé sur une balle et t'as été assommé. Je suis désolé, papa. Oh, Oz. Je suis celui qui est désolé. Les choses n'ont pas été cool pour toi, récemment. Et c'est à moi et ta maman de te rendre heureux. Je n'ai clairement pas fait ma part du boulot depuis la fermeture du moulin, alors... Je pense qu'il est temps que ta mère et moi parlions de déménager dans un monde dans un meilleur endroit. Pour nous tous. Même mamie. Je suis sûr que... Qui a du papier bulle de qualité professionnelle juste pour elle? Vraiment? Vraiment. Alors, si on te remettait en forme... Papa... Oh, ça, c'est une bonne fin. Au fait, je crois que je suis renvoyé de l'école. Quoi? Hey, Jeff! Ah Cet enfant ferait mieux de pas se blesser là-dedans. Il y a du sang partout, ouais.
Oh non, Jeff! Jeff! Terminé avec la fin à 2 étoiles en mode glauque ou effrayant. Mais fin à 2 étoiles? Donc cette fin-là, elle est beaucoup mieux. Là, cette fois-ci, Spring Bonnie, en fait, a vu la photo, il a été déconcentré. Et parce que la photo, apparemment, lui a rappelé quelque chose. Ça, il faut savoir c'est quoi l'identité de Spring Bonnie. Parce que clairement, c'est des photos qui étaient dans le portefeuille du papa. Donc, le papa et Spring Bonnie partagent quelque chose. Pour avoir une autre fin, c'est une fin cachée. De ce que j'ai compris, il faut que je me laisse attraper par Spring Bonnie lorsqu'il m'étrangle. Ah, ça a sauvegardé là. Ça a sauvegardé au moment de la photo. C'est trop bien par contre ça. Du coup, je me demande si je peux revenir dans le futur. Je ne repars pas sans papa. Ah, flûte. Je ne peux pas retourner dans le... Je dois faire tout le jeu. Je dois refaire tout le jeu pour avoir la true ending. Parce que je n'ai pas réparé J'ai pas réparé en fait le... Comment on appelle ça? J'ai pas réparé les machines d'arcade. On va tenter un dernier truc. On dirait que j'en ai assez pour avoir un bon pour un prix. Plus de tickets, plus de tickets. J'imagine que je vais devoir gagner au moins une autre fois pour avoir quoi que ce soit. D'accord, donc je vais... un jeton. Ah, flûte. Je suis vraiment nul à ce mini-jeu. Ouais, j'ai réussi, enfin. Ouais, je suis BG. Ouais, je suis un BG. C'est bon, j'ai un autre bon. Qui voudrait un truc pareil? J'ai une console portable. J'ai une sorte de sticker. J'imagine que mon carnet de dessin est bon pour ça. Oh. Oh, for you. Donc j'ai que 3 stickers à avoir pour mettre là-dedans. Donc il faut vraiment que je farme les mini-jeux. Ça va être trop dur. Parce que j'ai plus de jetons là, donc on peut plus rien faire. Donc là, techniquement... Oh. J'ai un jeton. Donc là, on a fait tous les mini-jeux. On n'a pas pu les réparer parce que je peux pas être dans le futur, donc je vais t'obliger. Pour avoir la true ending, je vais t'obliger de recommencer le jeu, putain. Là, j'ai réussi à faire le tour. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrêtais pas de me faire... Je me faisais bully en boucle. Mais c'est bon, cette fois-ci, on a réussi. Enfin, vous avez remarqué, c'était écrit « Trouve papa » et ça s'est mis à l'envers à un moment donné. Oui, papa, t'es vivant, OMG. Non, laisse mon papa tranquille! Ouais, voilà. Fin secrète. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je ne sens plus ma... Ma voix? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma voix? Je peux jouer. Freddy me dit au revoir. Au revoir, Freddy! Bonnie me dit au revoir. Pourquoi ils sont amicaux? Au revoir, Bonnie! Chica me dit au revoir. Qui pense-t-il que je suis? Au revoir, Chica! Mais qui es-tu, Oswald? Qui es-tu? Qui suis-je? La nuit 5 ne s'est pas passée comme prévu. Je pense qu'on sait où est Foxy. Il y a peut-être un délire. Il s'est transformé en qui? Faut savoir que les animatroniques sont les enfants qui ont été tués au fur et à mesure et leur corps ont été mis, leur esprit en tout cas ont été enfermés dans les animatroniques. Donc, il y avait Freddy, Chica, Bonnie. Il en manque un, il manque Foxy. Donc en fait, je vous explique que pour avoir la fin parfaite, il faut réparer toutes les boîtes d'arcade. Donc il faut que vous ayez tous les jeux d'arcade réparés, que vous ayez récupéré toutes les photos du papa. Et après,
Normalement, ça devrait déclencher ça, la meilleure fin du jeu. Pistolet électro. Boîte à fusibles. J'ai retrouvé un jeton. Le portefeuille. Ok, alimentation électrique. Ah, voilà. Le mécanisme de poids. Ah, c'est là. Ok, validateur de bon. Ça, c'est les boules. Ah, bah ouais, je peux les prendre maintenant. Donc, j'ai les boules. J'ai les boules. Il me manque juste l'alimentation et c'est bon. Ok, ce jeu-là est réparé. Ok, celui-là. Et lui, c'est le truc de jetons. Normalement, j'ai fait tous les mini-jeux. Réparer toutes les bornes d'arcade de Jeff. Oh, cinématique. Eh, hey, petit, j'ai remarqué que tu bricoles sur ce fait de machine, ça me dérange pas, mais... Attends, tu les as toutes réparées? Où as-tu appris à faire ça? Grâce à mon père, il est assez bon en machine. Il a réparé tous les équipements du moulin quand il travaillait. Parfois, il me laissait l'accompagner pendant les étés pour que je regarde faire. Waouh, je ne sais vraiment pas quoi dire. J'ai vraiment laissé cet endroit dépérir pour depuis un moment. Il est peut-être temps que je répare quelques trucs, moi aussi. Merci pour ton travail, Oswald. Tiens, prends ça. T'occupe pas de la date d'expiration. Waouh, merci, Jeff. 75 centimes de réduction. C'est le moins que je puisse faire. Quelle affaire! Bon de réduction pour une pizza. Et où mon bon de réduction? Oh. Alors, que j'ai bien tout. J'ai un... Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On a 5 objets. Normalement, tous les... On va vérifier aussi au niveau des masses de l'arcade. Normalement, on a eu la cinématique, donc techniquement, ça devrait le faire. Mais voilà, attends. Tout fonctionne. Toutes les salles d'arcade, toutes les machines d'arcade fonctionnent. On a tout réparé. Ok, nickel. Donc maintenant, on peut y aller. Maintenant, le seul but, c'est de trouver la photo cachée. Qui est pas si cachée que ça, au final. Elle est littéralement posée par terre dans la salle des fêtes. Mais le but, c'est d'aller dans la salle des fêtes. Donc, si je vais dans mes paramètres, je regarde vite fait. J'ai bien le badge, la bague, les deux photos et le portefeuille. J'ai réparé toutes les machines. Je crois qu'on est bon, les amis. On est bon. Je récupère une photo. Et une photo rayée. Et la photo étrange. Du coup, maintenant que j'ai récupéré la photo étrange, on a vraiment tous les ingrédients nécessaires pour terminer le jeu. Là, il faut juste sauver papa et partir. Je pense qu'on est bien là. Vas-y papa, viens! Là, il voit la photo. Et ça le déglingue. Wow! Il a essayé de me mordre. En vrai, il a failli réussir à me mordre. Il est tellement violent, on dirait un chien enragé. C'est là que tu te dis pourquoi en fait les mecs ils font des robots avec des dents pointues. Donc là maintenant on va attendre la fin du générique les amis. On croise les doigts pour que ça marche. La fin précédente, Jeff s'était fait tuer. Donc là en fait on espère que Jeff survive. Allez on croise les doigts. Jeff? Hein? Cet enfant ferait mieux de ne pas s'être blessé là-dedans. Putain c'est la même fin. On a raté quelque chose? On n'a pas réussi! On n'a pas réussi! Mais j'avais tous les objets! J'avais tout réparé! Mais j'avais tout réparé! J'ai tous les objets! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? La true ending. Je fais tout pour avoir la true ending, mais en fait, la true ending ne veut pas de moi, quoi. C'est abusé. Donc là, c'est le premier mini-jeu. Qui nécessite d'avoir plein de points sur les autres trucs pour être fait. Le deuxième mini-jeu, il faudrait que je retourne dans l'autre pièce et que j'appuie sur le truc de chewing-gum, là. Les bruits de paix quand ils marchent, ouais, j'avoue. Ah! Il y a un chien!
Flûte? Combien de fois il faut le faire? 99 fois? Bah, tu m'étonnes, comment tu veux trouver ce truc secret là? Les gens ils ont fait ça. Hey, comment les gens ils ont trouvé ça sans Solus? Il y a un mec qui a kické dessus 99 fois? Mais c'est une blague! Oh! Putain, c'est vrai! Vous m'avez pas menti, les gars! Vous m'avez pas menti! Le chat avait raison! Ah, il y avait un truc similaire dans FNAF 3! Ok, d'accord, si c'est pour ça, ok. C'est ça qui est cool avec les FNAF, c'est les trucs cachés. Mais en même temps, c'est les trucs le plus frustrant aussi. Parce que t'es là en mode, mais comment tu es censé le trouver sans tricher? sans l'aide de ton chat ou sans fouiller dans le code. Oh, salut. Oh, elle pleure. Elle pleure. On a tout, hein? Papa! On a tout, les gars, on a tout. J'ai tout fait. C'était épuisant. Les gars, je stresse. Les gars, je suis en stress total. En mode, les gars, on a tout fait. On a tout fait, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que c'est bon. Putain, c'est la même chose. Les gars, c'est pas bon. C'est mort. C'est mort, les gars. Laisse tomber, quoi. Complétez toutes les machines arcade. Ok. C'est ce qu'on a fait. Pour avoir cette fin, réparer toutes les machines, récupérer les 5 affaires de papa, récupérer la photo. Mais c'est ce que j'ai fait! Il dit, il faut réparer les machines arcade, récupérer les 5 objets de papa, plus la photo bizarre, et c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a même appelé la maman, on a fait les 3 mini-jeux secrets, que dalle. Du coup, il a refait la pizzeria, hein. Ouais, alors, les gars, elle était pas terrible, hein. Tous les efforts qu'on a donnés pour avoir ça, pour avoir juste une scène de 3 secondes où il mange de la pizza, je trouve qu'on s'est fatigué pour pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà, ça part sur une désinstallation. Voilà.